Salut à tous, c'est Lego Paracon Trooper BXL. Aujourd'hui, je pense que vous allez bien m'entendre parce que je parle tout près de mon micro. Hein. Parce que dans la vidéo, j'ai vu qu'on m'entendait vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un outpost sur Orthoplutonia. Je pense que je vais faire attaquer par les Mandaloriens et le Vice-Roi. Donc voilà, je vous montre un peu. C'est voilà, c'est donc un outpost attaqué. Et re-attaqué facile par une escouade de clones commando. Donc on va faire le tour et après je vous montre d'ailleurs. Donc ici on a un droïde araignée nain complètement défoncé avec des flammes qui sortent, donc on peut voir le vent. Ici on a le commandant de mes clones commando. Donc en train de donner l'ordre d'attendre pour entrer dans la base, dans l'outpost, le poste avancé. Ici on a un autre, c'est l'ingénieur. Non, ça c'est le second, on va dire. Après ici plus loin on a deux autres membres de l'escouade. Je vais plutôt bouger. Voilà, deux autres membres de l'escouade qui sont en train de tirer sur des Mandaloriens. Donc on a Sev, enfin, mon custom Sev on va dire. Donc c'est pour ceux qui connaissent la République Commandos. Et lui c'est mon ingénieur. Donc j'ai fait en noir parce que. Donc avec ici vous pouvez voir sur le côté des bonnes peintures de guerre, bien classe. Donc voilà, en train de tirer sur les Mandaloriens qui s'approchent un peu trop à leur goût de leur commandant. Ici, on a une superbe baie vitrée en noir, comme ça, assez classe. Donc là, je vais tourner la base. Hein. Je suis sûr que vous n'avez pas bien entendu. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, on a toute la base, vue d'en haut, comme ça. Boum. Donc ici on a quelques caisses de munitions, on a deux snowtroopers qui se font qui sont attachés à leur chaise. On a ici mon custom clone commando qui est en train de se faire taper dessus par les Mandaloriens, par les Mandaloriens commando. Donc, je pense qu'il était comme ça, je suis pas sûr. Voilà. Ici on a mon le Boba Fett avec des blasters spéciaux. On a aussi le Vice-Roi qui attaque, enfin, qui est en train de. C'est lui qui a commandité l'assaut. Donc ici on a un porte-casque. Donc, je vais vous montrer 2 secondes. Voilà. Donc le porte-casque avec les casques des Snowtroopers et celui du commando clone. On a deux commandos droïdes là-bas, ici. Ici on a une table à manger là. Enfin, vous l'avez déjà vu dans l'autre poste. Des petites couchettes. On a là-bas un Mandalorien qui est en train de pirater les ordinateurs. 3 caisses de munitions, une poubelle, des ordinateurs, encore des poubelles. Et donc ici, on a la porte. Et donc si je l'ouvre, ce qui va se passer très bientôt. Et bah, tadam, les clones commando vont les défoncer. Littéralement juste les exploser. Donc ce que j'aime bien dans cette base, c'est que ici, je veux dire, les vitres sont opaques comme ça un petit peu. Donc on voit pas très bien de l'intérieur et de l'extérieur non plus. Un aspect un peu mystérieux. Donc après ici on a les détails de neige, hein, vous avez pu vous en douter, vous avez pu voir. Hein. Donc voilà. C'est tout. C'était la petite vidéo. Ah oui merde, j'ai pas oublié de vous dire.
Donc ici on a fait un clone mort là. Ça fait niquer. Là-bas ici on a un commando droïde mort, un snowtrooper mort. Un autre commando droïde ici, deux commandos droïdes, ça je vous ai montré. Donc voilà. Attends, je vais peut-être tourner sur la scène, c'est un petit peu plus bas. Donc là vous voyez un petit peu mieux là, il est en train de se faire zigouiller la gueule. Il est en train de se faire tabasser pour avoir les informations, c'est pour ça qu'ils viennent. Vraiment, comme j'avais promis, petite dédicace à Monsieur Lego Production, à une autre dédicace à Alan M et à Legonat, qui sont vraiment super sympas. Ça se fait super vraiment plaisir d'avoir des commentaires comme les leurs. Donc, merci à vous, les gars. Et bon, en attendant la prochaine commande Pricabric, encore une fois, parce que c'est le lendemain, je pense, que je vais la mettre. Ouais, ça fait hier, c'est hier que j'ai mis l'autre vidéo. Donc merci aux 22 abonnés maintenant. Merci à la pub les gars. Et ciao, à plus.